monde. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Donc je suis désolée si je parle pas trop fort. Voilà, encore une fois, mon petit frère est en train de dormir de l'autre côté. Donc voilà. Donc je peux pas trop parler trop fort. Voilà, donc aujourd'hui, c'est une vidéo, un style de vidéo que j'ai encore jamais fait. Donc c'est un vlog. Donc vous m'écrirez en commentaire si vous aimez ou pas. Mais attention, ne quittez pas tout de suite la vidéo en entendant le mot vlog, parce que ce ne sera pas un vlog sur ce que j'ai fait de ma journée, ma vie et tout. En fait, je dis vlog comme ça parce que c'est pas un tuto make-up, mais c'est en fait mes futurs projets pour YouTube, les prochaines vidéos à venir, des questions pour vous et tout. Alors voilà, j'espère que vous allez quand même aimer ça. Même si c'est pas un tuto make-up. Mais bon, voilà, si après ça rendu là, si ça vous intéresse toujours pas, vous n'avez qu'à cliquer sur le petit X en haut de votre écran qui va fermer immédiatement la fenêtre et donc m'ôter la face de votre écran. Et tout va être réglé. Pas besoin de commentaires négatifs qui dit c'est la merde ce que tu fais, tout. J'en ai pas encore reçu, mais juste pour. Prévenir. Je sais que c'est normal, je dois m'attendre à en recevoir des furieux et tout. Mais bon, tant qu'à éviter, il vaut mieux prévenir. Donc, voilà, c'est ça. Donc voilà, pour commencer. Attends, c'est ça. Voilà. Mon ordi fait un petit peu. Bref. Voilà, c'était quoi déjà mon premier sujet? Je galère. Ah oui, donc mon premier sujet dans le fond, c'est vous rappeler que en fait je suis rendue à 13 abonnés, ce qui est pas beaucoup, mais quand même. En fait, là j'ai comme la lumière de mon éclairage allumée pour que vous me voyez bien, mais je crève de chaud. Je peux pas ouvrir mon ventilateur parce que vous allez rien entendre de ce que je dis, parce que j'ai chaud. Bref, ça vous en foutez un peu. Comme je disais, oui. Je suis très loin des 100 abonnés. Parce que je n'ai que 13 abonnés, hein, on s'entend. Mais toujours vous prévenir que vous pouvez liker, partager, commenter. Mais que vous pouvez me faire découvrir auprès de vos proches. À savoir que. Il va avoir, je vous réserve une petite surprise pour rendu aux 100 abonnés. Donc voilà, je vous dis rien tant que je ne les aurai pas quoi. Donc voilà. Donc ça c'était le premier point si je peux dire. Donc ensuite, donc là de ce côté vous pouvez rien y faire à part peut-être laisser des commentaires d'encouragement, mais à part ça vous pouvez rien y faire. C'est de mon côté que je travaille ça. À vous rappeler encore une fois qu'il y a. Je recommence. Qu'il va y avoir aussi un truc spécial. Donc, je vous réserve une petite surprise pour rendu à ma 100e vidéo. Donc, voilà, ça va pas être grand chose, mais j'espère que vous allez aimer ça quand même. Donc, ensuite, pour le côté vidéo. Je suis. Ben, je, non, je suis pas en train de la tourner présentement puisque je suis en train de tourner cette vidéo et que j'ai pas fini de trier. À savoir que, bon, j'ai commencé par les bijoux, mais je suis en train de faire un très grand tri de malade mental de ouf, quoi. De tous mes bijoux et de tous mes produits. À savoir que ceux que je veux pas, je vais les donner à ma soeur et ceux qu'elle veut pas, ben, je vais voir ce que j'en fais, tout. Mais je vais vous préparer une vidéo pour vous montrer dans le fond ce que je me débarrasse et donc ce que vous ne verrez plus à l'écran sur ma chaîne. Donc voilà, donc dans un petit pot, j'ai déjà commencé à trier les bijoux qui va tomber, je le sais, je le sens. Voilà, donc à savoir qu'il reste sûrement d'avoir plus de bijoux donnés que de make-up, quoi, parce que je suis un petit peu. Affectif côté de mon make-up. Donc ensuite, vous dire que vous pouvez toujours
laisser des commentaires dans mes vidéos, donc à savoir, donc je vais vous expliquer un peu. Donc je vais pas y aller trop en détail pour pas vous emmerder avec ma vie et tout. Mais juste pour vous expliquer un peu comment que ça me tient à cœur YouTube et tout. À savoir que quand je me lève, la première chose que je fais, c'est pas d'aller voir sur Facebook ou même d'aller déjeuner ou rien. Je vais sur YouTube et je regarde si j'ai des commentaires. Le soir, avant d'aller me coucher, je regarde si j'ai des commentaires. En fait, quasiment à chaque heure de la journée, je vais sur YouTube pour voir si j'ai des nouveaux commentaires et pour y répondre tout de suite, pour pas faire attendre mes abonnés ou mes non-abonnés, mais qui veulent une réponse de moi. Donc, à savoir que j'ai l'œil qui saute. Bref. À savoir que YouTube, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc, j'y mets beaucoup d'importance et beaucoup de temps. Alors, de mon côté, moi, je fais mon possible pour répondre le plus vite à vos commentaires. Mais de votre côté, ce que je serais contente que vous fassiez. Facile. On va dire ça de même. Ce que je serais contente que vous fassiez, c'est que vous me laissiez beaucoup plus de commentaires. Il y a des youtubeuses qui disent: ah, je suis désolée si j'ai pas répondu à tous les commentaires, mais j'en avais beaucoup trop. À savoir que ça, je vous le dirai jamais. Parce que moi, les commentaires, c'est comme ce qui motive, c'est l'essence, c'est l'énergie qui. Ça me procure l'énergie de continuer ma chaîne YouTube. C'est une des raisons. J'aime beaucoup les commentaires et tout. J'aime répondre aux personnes et tout. Donc, si vous avez des questions, des demandes vidéo, dès que j'ai le temps, je la mets dans ma liste, dans mon iPod. Et dès que j'ai le temps, dès que je fais une vidéo, j'ai toute ma liste d'écrits de toutes mes demandes vidéo. Et je les fais toutes. Le plus vite possible. Là, je réponds à vos demandes le plus vite possible normalement. Il y en a certaines qui vont dire: ouais, mais moi je t'ai fait une demande vidéo la dernière fois et ça t'a pris comme un mois avant que je l'aie. Ouais, mais là ça c'est parce que j'avais eu un problème avec mon iPod. Tout s'avait effacé. Et j'ai eu comme ça à toutes me rappeler des vidéos. Donc je sais pas si j'en ai oublié d'en faire. Bref, si j'en ai oublié, vous pouvez toujours me l'écrire en commentaire, me faire un petit coucou et me dire: hey Alicia, je t'avais demandé une vidéo l'autre jour, puis je sais pas si tu l'as oublié là, mais voilà. Bref, vous pouvez toujours me le dire en commentaire si vous avez des vidéos que vous voulez que je fasse. Normalement, je les fais rapido presto. Je réponds quand même assez vite. Donc voilà. En fait, je pense que j'avais pas terminé l'histoire du iPod. Bref, je vais la terminer juste pour être claire. Dans le fond, tout s'avait effacé dans mon iPod. Ben, pas toutes, mais mes notes. Mes notes s'avaient effacées de mon iPod, je ne sais pas pourquoi. Bref, voilà, j'ai recommencé ma liste en espérant que. J'ai comme un tout. En espérant que ça ne se recommence pas, parce que là, sinon, je vais galérer. Mais voilà, donc vous pouvez toujours me demander autant de demandes vidéo que vous voulez. Laissez-moi des commentaires, c'est ce qui me motive le plus et je vous répondrai le plus vite possible. Je dirai pas automatiquement parce que je suis pas 24 heures sur 24, faut que je dorme et j'ai une vie aussi. Mais voilà, je vous réponds quand même assez vite. Normalement, en 1 heure ou 2 heures, votre commentaire y est répondu. Si j'ai le temps. Parce que des fois, il faut que je m'occupe de mon petit frère et de ma petite soeur et tout. Mais voilà quoi, c'est. Normalement, quand j'ai le temps. Normalement, quand j'ai le temps. Dès que j'ai le temps, en fait, c'est la première chose que je fais. Donc, voilà, ça, je pense que c'est réglé. Donc, pour certains de mes abonnés qui sont dans ma liste d'amis Facebook, parce qu'en fait ce sont mes amis, bref, il y en a certaines qui ont été mises au courant que j'avais enfin un vrai programme, donc pas le programme de montage YouTube, que j'en avais enfin un vrai, donc Movie Maker. Je suis désolée, mon anglais est totalement pourri et je bug. Donc voilà, donc je voulais leur faire savoir que, à eux et à vous en fait, parce que vous n'étiez pas au courant que j'avais un nouveau logiciel. J'ai essayé, j'ai tourné ma vidéo, j'ai fait le montage, tout. J'ai enregistré, je t'avais pour le mettre sur YouTube. Il me disait
que le fichier n'était pas compatible, qu'il fallait que je le compresse à une autre sorte de forme de fichier et blablabla. Je l'ai fait. J'arrive pour le mettre sur YouTube, ils me disent que le fichier m'appartient pas, qu'il faut que je demande au... ben, pas au partenaire, mais au propriétaire de l'ordinateur. Ouais, ben c'est moi qui est sur l'ordinateur, là, c'est comme... Le fichier est sur mon sur l'ordinateur, et quand que je clique sur le fichier sur l'ordinateur, il me dit « il vous faut une demande du propriétaire de l'ordinateur ». Ouais, et je fais comment si c'est moi le propriétaire? Ben, c'est pas moi, en fait, c'est ma mère, mais bon. Que ce soit moi ou ma mère derrière l'écran, ça change rien. Hein. Ils ont pas une caméra pour détecter les visages, quoi. C'est con. Donc, voilà, donc je voulais vous faire savoir que malheureusement, en fait, j'étais vraiment hyper contente parce que j'allais avoir pour faire des accélérés, donc pour les tutos make-up et tout, donc à savoir, ok, j'applique ma bébé crème, mais à un moment donné, une bébé crème, vous savez comment appliquer ça là, vous l'avez vu dans plein de vidéos, puis c'est facile, vous mettez sur le visage et tout, et en fait, vous êtes habitué à voir ça à un moment donné, et donc vous les avez vus sûrement dans mes précédentes vidéos, donc je me suis dit, je vais accélérer le tout, donc vous allez quand même voir les étapes, mais en accéléré pour pas vous trop vous emmerder pendant X minutes à me voir foutre de la bébé crème dans ma face. J'avais l'accéléré, j'avais aussi pour ralentir le temps, donc j'avais vraiment tout, j'avais pour changer la couleur, j'avais un truc de ouf pour le montage, j'étais vraiment contente, mais ça marche pas. Alors voilà, donc je fais dire à mes amis sur Facebook qui sont dans mes abonnés aussi, et ben, à mes autres abonnés qui sont pas dans mes amis Facebook, parce qu'ils sont pas comme mes amis si je connais pas. Ben, malheureusement, si vous venez me dire, faudrait que tu fasses des vidéos plus de qualité, fais des meilleurs montages, ça serait mieux, t'aurais plus d'abonnés, blablabla. Je suis désolée, mais en même temps, je fais mon possible. Je sais même pas comment faire pour faire du HD. J'ai certaines vidéos que oui, sont HD. Mais je sais même pas comment faire. Moi, je fais juste les filmer. Je vais les mettre sur YouTube. Attendez un peu, je vais couper, j'ai trop le goût de tousser. Ok, ça va. Voilà, donc comme je disais, j'ai mis sur YouTube. Et donc, encore une fois, la question, le monde vient de me dire, parce qu'en fait, j'ai numéro pour avoir le bon ordre, pour pas que la vidéo soit incorrecte. Incohérente. Voilà. Mais. Voilà quoi. J'ai le numéro. Mais je suis obligée de les mettre tout de suite sur YouTube. Pour ensuite faire le montage. Pour ensuite remettre les vidéos sur YouTube avec le montage fait. Et là, certaines personnes vont. Ben, certaines personnes. Excusez. J'ai la gorge qui me pique. Je sais pas. À chaque fois que je porte ce rouge à lèvres, la gorge, elle me. Je sais pas pourquoi. Bref, où en étais-je? Alors voilà, bref, je mets mes vidéos sur... En fait, j'ai retrouvé mon fil des idées, mais pas au complet. Voilà, bref, je mets mes vidéos sur YouTube, tout, il faut que je fasse le montage et tout, donc... Ah oui, c'est ça, je l'ai retrouvé. Donc, il y a... Plusieurs personnes, j'ai reçu beaucoup de commentaires qui me disaient pourquoi tu numérotes tes vidéos et tu les mets pas au complet sur YouTube. Donc voilà, vous avez tout compris. Donc voilà, j'étais tannée de répondre à chaque commentaire. Comme je vous ai dit avant, j'aime les commentaires, mais en même temps,
tous les commentaires qui se répètent tout le temps, tout le temps, tout le temps, la même question. À un moment donné, ça ne me tente pas tout le temps de répondre. Voilà. Alors, voilà, je vous le dis en vidéo. Donc, en fait, c'est parce que je peux. Il faut que je la mette sur YouTube en premier pour ensuite faire le montage, pour ensuite l'enregistrer sur YouTube et la mettre sur YouTube avec le montage fait. Donc, voilà, c'est. Je croyais pas les trouver, mais en fait c'est correct. Donc voilà, donc c'est pas compliqué, mais c'est juste très long à faire. Et donc, juste faire comprendre aux personnes que je fais pas exprès. Donc voilà. Ensuite, pour les vidéos de qualité, encore une fois, de ce côté-là, je peux rien y faire. Comme je vous dis, je sais même pas comment faire pour la mettre, pour faire exprès pour la mettre en HD. Quand c'est en HD, c'est juste que. C'est un hasard quoi. Je filme toujours avec la même caméra. Jamais tout le temps. Désolée. Jamais tout le temps de la même manière. Voilà, ça fait que. C'est ça quoi. J'ai. Je sais pas exprès si c'est de mauvaise qualité ou de bonne qualité et tout. Voilà, donc pour les montages encore une fois, je suis désolée. Je suis poignée avec, avec le montage YouTube. Movie Maker, ça marche pas. Et je peux pas prendre iMovie. Pourquoi? Parce que j'ai pas de Mac ou de... Non, pas de Mac, ça c'était une marque de maquillage. D'ordinateur Apple quoi. Donc voilà, je peux pas utiliser iMovie. De toute manière ça coûte de l'argent et j'ai pas que ça de l'argent dans la vie. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question pour ça. Donc ensuite, je sais que ça a totalement par rapport avec le make-up, quoique la vidéo ça n'a pas vraiment rapport avec le make-up. Mais je sais aussi que ça a par rapport avec la chaîne YouTube et que ça va être embarqué un peu dans ma vie. Mais en fait c'est juste une petite affaire, donc en fait c'est pour vous montrer parce que dans le fond j'ai reçu un cadeau de mes parents. Alors que j'aurais rien demandé et que j'ai rien fait de spécial, alors juste pour leur prouver que je suis vraiment contente. De leur cadeau et donc voilà, j'ai encore l'œil qui saute et ça me fait bugger dans mes mots, c'est énervant. Donc en fait ils m'ont acheté un film, donc juste vous montrer 2 secondes. Quittez pas pour ça, hein. On revient tout de suite après avec les autres sujets. Donc c'est ce film là, donc je sais pas trop comment ça se dit, c'est Dragon Heart, d'un faux cœur de dragon ou quelque chose comme ça. Ok, il est ici. C'est Draco, la légende du dernier dragon et Draco, une nouvelle ère. Donc voilà, donc je ne l'ai jamais écouté encore. Ça a l'air en fait 2 films, si je ne me trompe pas. Ça a l'air 2 films. Ouais c'est ça, c'est 2 films en fait. Et donc voilà le disque, tout banal, tout ça. Et voilà, donc j'ai pas encore écouté. Si vous voudrez, prochain vlog que je vous ferai, je vous dirai ce que j'en pense, même si ça embarque un peu dans ma vie. On va mettre ça de côté avant que vous quittiez. Voilà. Ensuite, côté encore vidéo, pour vous annoncer une autre vidéo que je vais vous faire... bientôt, prochainement. Je vais vous faire refaire le tour de mon rangement make-up. Et là, vous allez dire, ok, c'est parce que tu nous le fais comme quasiment à chaque semaine. Bon, ben, peut-être pas à chaque semaine, là, mais j'avoue, j'ai regardé dans mon gestionnaire vidéo, j'avoue que je vous le fais quand même assez souvent. J'ai remarqué. Mais bon, en même temps, j'aime montrer, en fait, parce que je change beaucoup, je change souvent. En fait, parce que mon petit frère, il vient souvent dans ma chambre.
Il fout tout le bordel. Et en fait, quand je range mon bureau, c'est plus du tout pareil. Donc en fait, dans ce sens, c'est bien. Ça vous montre différentes manières comment ranger votre bureau, surtout si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas un vrai grand. Vous savez, comme avec le miroir et la grosse table, full grosse, avec plein de tiroirs, etc. Et qu'en fait, vous avez juste comme un petit bureau. Donc voilà, donc je m'en plains pas parce qu'en fait j'ai vraiment une petite chambre, alors ça rentre. Alors je suis quand même contente parce que je peux ranger mon make-up dedans. Et j'ai parlé et ça a sifflé. J'ai jamais fait ça avant. Excusez. Je pense que je vais changer de rouge à lèvres bientôt. Donc voilà, donc pour vous dire que à force de tousser, j'ai perdu le fil de mes pensées. Ouais, c'est ça. Je vais bientôt vous faire un nouveau tour rangement make-up. Que voilà. Donc, je suis désolée si j'arrête pas de me gratter la tête, mais ça arrête pas de piquer. Je sais pas ce que j'ai. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire? Ah oui, je sais, donc encore une fois, ça rentre un peu dans ma vie personnelle, mais donc cette fois-ci, les filles, c'est cool. Ouch, ouch, mes cheveux, ouch, ouch. En fait, ça rentre d'un côté, oui, privé, ben privé, personnel, donc dans le fond, dans ma vie. Mais ne partez pas tout de suite, parce qu'en fait, c'est aussi d'un côté make-up. En fait, c'est parce que, oui, moi, je vous demande. Si vous avez, je vous demande des conseils parce que, en fait, voilà, je sais que ça va paraître un peu dégueulasse et tout, mais en fait, j'ai un ongle, je sais pas si c'est un ongle cassé ou dédoublé ou quelque chose comme ça. En fait, c'est comme, en fait, c'est sur mon gros orteil, j'ai comme une grosse ligne comme si j'avais un deuxième ongle par-dessus mon premier ongle, mais comme à moitié de l'orteil. Je sais pas, je pense que c'est un ongle incarné. Non. Non, c'est pas un ongle incarné. Bref, sûrement que vous comprenez ce que je dis. Parce que moi, je sais pas trop comment décrire ça et je veux pas vous montrer mes pieds non plus. Parce que c'est pas. Je veux pas vous montrer mes orteils. Je veux pas montrer mes orteils à tout l'univers, quoi. Bon, c'est pas le but de ma vidéo. Donc voilà, je sais que c'est un peu dégueulasse, mais donc voilà. Et en fait, c'est la première fois que j'ai ça. Et je sais comment me maquiller, mais côté ongles d'orteil, je sais juste pas quoi faire pour que ça s'arrange et que j'aille des vrais ongles, quoi. Alors si vous. Ben, en fait, c'est juste sur un ongle. Donc si vous avez des conseils, si vous avez déjà eu ça ou si vous savez comment s'en débarrasser, juste me le dire, quoi, parce que moi, je vais m'en débarrasser. Parce que c'est vraiment pas joli et que c'est vraiment pas esthétique côté vernis. Et que c'est vraiment pas facile d'appliquer son vernis par-dessus ça. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour. Je réfléchis encore un peu et je vous reviens. Ah oui, je sais ce que je voulais vous dire aussi. Donc, peut-être que c'est pas tout le monde qui l'a vu. Cette vidéo, mais en fait, je vous avais fait une vidéo une journée dans ma peau. À savoir que ça a été un montage tellement chiant à faire. Désolée mon langage, mais à un moment donné, c'était. Oh là là, j'ai pris comme. Ben en fait, j'ai pris une journée pour tout filmer, hein, parce que. Ouch, mes cheveux. Parce que ben, c'est une journée dans ma peau. Excusez. Mais côté montage, j'ai pris comme 3-4 jours. Mettre toutes les vidéos, faire le montage et le mettre sur YouTube. Donc normalement pour une vidéo normale,
Exemple tuto make-up ou tag ou etc. Ça me prend comme maximum 30 minutes, quelque chose du genre. Mais ça m'a pris comme 4 jours. Et ça a été vraiment très long à faire. Mais donc là, je me plains, mais donc le côté positif, non, j'ai encore l'œil qui saute. Je sais pas si ça va paraître avec moi. Ah oui, ça paraît! Mon œil est trop bizarre. Ouais. Hey les filles, changement de programme. On arrête de parler et on regarde mon œil bouger tout le reste de la vidéo. Non, je déconne. Je disais donc. En fait, je me rappelle plus du tout de ce que j'ai dit. Il faut vraiment que j'arrête de changer tout le temps de sujet. Ouais. Donc j'étais dans le négatif en chialant un peu, mais donc on est des filles, on aime tous chialer un peu de temps en temps, minimum. Mais voilà, donc le côté positif, c'est que j'ai vraiment aimé, mais vraiment aimé faire cette vidéo, donc une journée dans ma peau. À savoir que j'ai tellement trippé en fait que j'ai filmé 30 minutes. Quand j'ai vu ça, j'étais comme oh, 30 minutes, mais là, c'est comme personne va vouloir voir ça. Ouf! Personne va vouloir voir ça du début à la fin. Ils vont s'emmerder. C'est pas possible quoi. Donc j'ai galéré un peu. Quand j'ai vu le 30 minutes, j'ai dit oh là là, les personnes vont pas aimer. Donc voilà, donc à savoir que moi j'ai vraiment aimé. Donc laissez-moi un commentaire si vous voulez que je vous en refasse. Donc plus souvent, parce qu'à savoir que moi ma vie, c'est pas vraiment une routine. Donc c'est. J'ai encore l'œil qui saute, c'est vraiment dérangeant. Ouais, je vais passer au reste de la vidéo comme ça. Voilà, où j'en étais. Ah ouais, donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous refasse une journée dans ma peau. Une journée dans ma peau et que vous voulez que je vous la fasse encore plus longue. Moi ça me dérange pas, hein. J'ai vraiment trippé à part pour le montage que j'ai vraiment galéré, mais rendu là maintenant. On s'amuse tellement et comme c'est pour mes abonnés que j'aime tant, je suis prêt à faire un sacrifice. Donc soit vous la voulez plus longue, soit vous la voulez plus courte, ça aussi ça me dérange pas. Mais encore là ça va être difficile pour le montage parce que cette fois-ci, pas que ça va être long. Ben, en fait oui, parce que ça va être long à couper toutes les séances. Toutes les séquences en fait parce que je vais en avoir beaucoup 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 filmé et voilà donc voilà oui à savoir que ma vie c'est jamais une routine voilà c'est jamais 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 une routine j'ai jamais une journée pareille je fais jamais la même affaire dans ma journée à part l'école quand il y a l'école parce que là bon, faut que j'aille en cours et tout, mais bon, rendu le soir, par exemple, je fais pas encore la même affaire que l'autre soir d'avant. Alors, ça change comme tout, hein. Je sais pas pourquoi, je galère. Ben, je galère pas. Je focus un peu sur mes cheveux. Regardez ça, ça frise. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça frise? C'est vraiment joli, en fait. J'ai jamais eu les cheveux qui frisaient. Bref, revenons à mon. À mon YouTube, quoi. Voilà, donc en fait, je vais revenir un peu sur ma vie privée. Donc en fait, juste pour vous raconter un peu une anecdote d'aujourd'hui. Parce que sans doute que vous allez rire. En tout cas, moi, j'ai galéré en. Ouch! En voyant ça. Donc je vais vous conter ça tout de suite parce que c'est. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Donc voilà, pour commencer, je vous le dis, les filles. Donc moi, oui, j'ai une religion. Je suis pas athée, donc je suis chrétienne. Si vous avez un problème avec ça, après ça, je peux rien y faire. Donc, en fait, j'ai vu un article qui disait êtes-vous croyant ou intelligent? Mais enfin, c'est comme. En bref, vous me direz vos opinions sur ce type d'article. Mais moi, je suis pas du tout d'accord. C'est comme. D'abord, je suis une grosse conne. C'est ça qu'ils disent? Ouais. Ok. Ouais.
Je comprends tout alors. Donc, voilà. Donc, si vous avez un problème, que je sois chrétienne et j'aille une religion, mais rendu là, je peux rien y faire. Si vous m'envoyez des commentaires hargneux, je vais juste les bloquer et c'est tout. Pas la peine d'écrire, hein, vous perdez votre temps. De toute manière, je vais les bloquer. Mais si c'est des messages, j'allais dire affectifs, mais en fait, c'est pas du tout ça. Je veux dire des messages gentils, quoi. Pas irrespectueux, mais je vois pas pourquoi je les bloquerais, quoi. Surtout, voilà, quoi. Mais voilà, donc en fait, tout pour dire que j'ai une religion, je suis chrétienne. Donc oui, je vais à l'église à chaque dimanche. Et donc, c'est à propos de c'est une anecdote à propos de ça. Parce qu'en fait, il est arrivé quelque chose. En fait, on est dimanche. Je filme cette vidéo-là le dimanche. Peut-être pas, je vais la poster le dimanche, par exemple. Je sais pas si je vais avoir le temps. Mais tout. Ah, ma mèche me dérange. Et où ma barbipine? Ça fait un peu chelou là, mais bon, voilà, j'ai une petite boucle comme ça. Voilà, une petite barrette, mais bon, ça fait un peu chelou, mais bon, voilà, je vais mettre ça comme ça. Voilà, c'est déjà mieux. Voilà, donc en fait, vous allez peut-être vouloir partir en entendant le mot anecdote d'église. Vous allez vous dire que c'est plate, mais en fait, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il arrive une chose comme ça. Donc en fait, excusez. Donc, je vais commencer tout de suite, quoi. Donc, ça va être plutôt vite. Ben, en fait, je sais pas. Ça dépend. Donc, en fait, un matin, je vais à l'église. Donc, je rentre avec mes parents et tout. On va porter mon petit frère et ma petite soeur à leur garderie prévue. Et là, on voit un policier rentrer. Et nous, on est comme, qu'est-ce que le policier fait dans l'église, quoi? Mais bon, on s'est pas plus posé de questions. Et donc, mes parents vont à leur messe à eux, tandis que nous, les adolescents, on a notre propre messe, donc nos propres louanges et notre propre message et tout. Et pendant comme les annonces, si je peux dire, donc entre les chansons et le message, le même policier a interrompu les annonces que notre monitrice nous faisait. Et il y a un policier qui est rentré dans le local avec un gros chien. Les gros chiens policiers là avec les dents longues de même là, quasiment comme un tyrannosaure et tout là, prêt à vous sauter au cou, quoi. Voilà, quasiment avec les colliers en gros pic long de même là. Voilà donc les méchants chiens. Voilà. Et donc le monsieur, ben en fait mon église ça se passe en anglais vu que j'ai déménagé dans une place que ça parle anglais là, mais bon j'ai quand même compris. Yeah! Pouce vert si vous êtes content que j'aie compris quelque chose en anglais, enfin! Donc, pour revenir à l'histoire, donc le policier rentre et il dit, excusez-moi de vous déranger, mais je cherche telle fille. Donc la fille, elle lève sa main comme toute gênée, elle comprend pas ce qui se passe. Monsieur, il dit, vous allez garder votre calme, puis vous allez vous coller au mur, la face au mur. La face. La fille, elle comprend rien du tout. Elle fait ce que le policier dit. Le policier lui arrache son sac et il dit « Mon chien a détecté de la drogue. » Dans une église, on s'y attend pas, quoi. Et là, le policier prend le sac et il en sort un sac de drogue. Et la fille, elle comprend pas du tout ce qui se passe, là. Et elle a un méga de rire fou furieux, donc un rire nerveux, quoi. Parce qu'elle trouvait ça drôle, non? Et le policier, elle a fait sentir à la monitrice et tout, et elle a dit que ça sentait la drogue, quoi. Et donc, la fille, elle comprenait pas ce qui se passait, elle savait pas ce qu'elle devait faire et tout, alors elle s'est décollée du mur, elle a commencé à avancer. Et le policier, avec son gros chien, il a dit reculez, vous restez au mur, tatata. Puis il y a des adultes qui ont commencé à rentrer dans notre local, puis ils demandaient à notre monitrice, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, la monitrice, elle disait, je ne sais pas. La fille, elle capotait, hein, je vous dis pas. Hein. Et là, le policier, il arrive et il dit, je vais tenir mon chien parce que sinon il va vous sauter au cou. Mais vous allez me suivre. Au poste de police, et si vous tentez de vous échapper, quoi, je vais lâcher mon chien, quoi. Et donc, la fille,
Elle trouve ça drôle, elle pense que c'est une blague qu'on joue. Mais quand qu'elle commence à quitter la salle pour de vrai avec le policier, elle se met à pleurer. Parce que elle comprend vraiment pas ce qui se passe. Elle sait même pas comment que la drogue s'est rendue dans son sac et tout. Et donc, en fait, c'était une mise en scène. Mais la fille n'était pas au courant. Donc le policier lui a expliqué et tout, mais donc, même le pasteur de l'église n'était pas au courant. Et son père est arrivé en panique, comme, ma fille se fait arrêter pour la drogue, mais tout comme, quoi? Bref, ça a été comme le fou rire total quand la fille est revenue, elle se tenait la tête à deux mains comme ça, là, puis elle n'en revenait pas. Je pense que ça l'a fait sa journée, ça. Mais on a bien marré, on s'est bien marré, donc je sais pas si vous avez trouvé ça drôle. Vous me direz en commentaire si vous, vous aimeriez qu'on vous fasse ce genre de blague. Voilà. Moi, personnellement, je sais pas. Je crois que ça pourrait être amusant, mais en même temps, on risque de me faire une crise cardiaque parce que. Tu sais, c'est quand même. Ok, c'est drôle à la fin, mais pendant, c'est pas très rigolo, quoi. Donc voilà, c'était ma petite histoire pour mon vlog. Voilà les filles, le blabla d'aujourd'hui est terminé. Donc vous me direz en commentaire si vous voulez que je vous fasse d'autres vlogs, des sujets que que vous voudriez que je parle. Voilà quoi, si vous avez aimé ça, s'il y a des choses que vous voulez que je rajoute. Encore une fois, je le dis, commentez, partagez, likez, aimez, allez vous acheter un burger si ça vous tente. Faites ce que vous voulez, quoi, c'est votre vie. Achetez des frites aussi, hein, c'est super bon des frites. Voilà. Donc, ouais. J'ai fini de parler. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à la très prochaine. Bye bye. Ouais. Ouais, bah ouais, c'est ça. Bye.